Papa Noël, si tu savais comment t'attends. Le chat, mon frère et moi, ma parole, on est sur les dents. Tout est prévu, mon vieux, on a préparé le terrain. On ne quitte plus des yeux la moindre aiguille du sapin. Petit Papa Noël, on n'en peut plus, vas-y descends. Le chat, mon frère et moi, la vérité, on est à cran. As-tu reçu ma lettre avec la liste détaillée? En plus t'as vu, je t'ai fait un coloriage sans dépasser. Si c'était maman qui pour une fois montait te voir là-haut. Si c'était maman qui pour une fois te couvrait de cadeaux. Petit Papa Noël, comme on en a trop marre d'attendre. Le chat, mon frère et moi, on le trouve long ce mois de décembre. Vu ton grand âge, d'abord, nous n'irons pas par quatre chemins sur ton nuage. En l'air, on a accroché un grappin. Petit Papa Noël, oui c'est nous qui montons te voir. Le chat, mon frère et moi, avec des jouets par milliards. Ça change un brin, comme ça, c'est toi qui vas en profiter. Et tes lutins, enfin, pour repartir en RTT. Si c'était les marrons qui pour une fois montaient te voir là-haut. Si c'était les marrons qui pour une fois te couvraient de cadeaux. Papa Noël, dis-moi, ça fait combien d'années qu'avec ton vieux traîneau diesel, tu fais la tournée des souliers? Quand les enfants, depuis toujours, attendent au chaud alors qu'ils gèlent et n'ont plus qu'à se baisser pour tout ramasser avec une pelle. Des guitares électroniques, des dinosaures en plastique, des panoplies de princesses, des vélos à 100 vitesses, un skateboard à moteur pour mes Barbie gladiateurs, Docteur Maboule en Batmobile, Los Angeles en Playmobil. Si c'était les mamans qui pour une fois montaient te voir là-haut. Si c'était les mamans qui pour une fois te couvraient de cadeaux. Petit Papa Noël, si un jour on te voyait plus, le chat, mon frère et moi, ma parole, comme on serait déçus. Les gars comme toi, là-bas, on ne connaît pas beaucoup. Repose-toi, sans quoi l'année prochaine on te fait coup. Ouais, alors j'ai peut-être quand même une question à vous poser, les enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous ici ce soir, un petit garçon, une petite fille, qui se souvient d'un rêve qu'il a fait ces derniers temps? D'un rêve qui était incroyable? Toi, là-haut, je t'en souviens? Qui était complètement dingue, un rêve rigolo, et que tu pourrais raconter? Qui c'est qui voudrait venir, par exemple, sur scène, raconter son rêve? T'es où, toi? Et ici, en bas, personne? Toi, tu veux venir? Allez, viens. Je vous présente Louise. Ça va, Louise? Oui. Trop bien ton t-shirt. Ah, mais...
T'es en chaussette. Oui. T'es pas gênée, quoi. Tu viens en chaussettes le soir du DVD. Et mes chaussures, elles sont là-bas. D'accord. Très bien. Alors, Louise, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Tu vois, il y a cette caméra ici. Elle sert en fait à diffuser notre image à tous les deux sur la grosse boule de chewing-gum qui est au fond. Regarde derrière. Tu me vois ? Oui. Et ce qui est marrant, Louise, c'est que en s'approchant de cette caméra, on peut faire des grimaces. Comme ça, les gens du fond, ils nous voient. Vas-y, si tu veux en faire une. Classe. Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, tu veux venir raconter ton rêve, c'est vrai. Ben, vas-y, on t'écoute. Ce soir, on a des grands moyens, Louise. C'est l'histoire d'un crocodile. Il est dans une jungle, puis il a plein d'autres crocodiles, et puis il a un petit garçon qui vient, et puis au-dessus là, des nuages de pluie. Donc alors il se fait arroser, puis ça fait planter des fleurs, et puis c'est les monstres qui les ont plantées. Donc alors elles poussent, puis ça fait des bizarres fleurs. Et puis après. C'est beau, et puis l'histoire, elle est finie. Merci, Louise. C'était très bien. Applaudissements. Merci. Ouah, ton rêve, comme il est trop bien. Il y a des crocodiles qui jouent avec d'autres crocodiles. C'est pas mon rêve, ça, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ah, c'est celui de Louise.